الزول في اللون مرحبا يا سوان سلام غادي سيدي مكان في الغار هاد الميكا راه ساقي ديال ديبريف من الماتش يلاه جا سكرا كود بسكرا ماتش كي ستيرمين بارا نول امبارتو بارتو غير بسكرا لا ماتش اه كي اتوني سا بروميس دان بوان دو فو les résultats bwin qui a été proposé des matchs éginés je pense y avoir les immédi immédiatement le avant match on analyse l'équipe nous puisqu'era on a regardé le match éginé en long en large et sous plein succès on on a fait une vidéo l'avant match qui en train d'analyser le match à 100% et date nina mais ça va être un match fermé ça va être un match fermé un match cadenassé un match sur la vingtaine un match en date il y aura le peu d'occasions. Et en Guinée, je n'avais pas cru. Elle doit aller beaucoup plus de buts. Elle est 1-0. 1-0-0. Ça va être un match fermé. Parce qu'une Wallet-Indi, une Wallet-Indi, to to toujours un déplacement abstract. C'est quand même un résultat et un, 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 un stade, et un dossier particulier de la route. Et personnellement, le match à Guinée, une wallet le match nul, le match qui fait 1-1, c'était quand même vainé en ordre de match à Guinée. Mais... Il y a quelque chose à dire parce qu'il y a une question, il va y avoir à poser au couplage que je me dis le débriefage euh, La question à la poser est-ce que c'est une question elle intense. Maintenant, il y a beaucoup plus de réponses. Les supporters, les supporters, mais est-ce que c'est un, un, un score positif, ou un score négatif Est-ce que c'est un bon, ou un mauvais résultat Un un des plus C'est la question. Faites un essai de ne répondre. V euh, le débriefage vidéo. Construisez un like, un au maximum.

mais euh, concernant mis dans le mobilisme le CSA, il faut laisser une échec ni des des choses vraies, la demande de la la Guinée la demande de clarté c'est la demande de tous les supporters et c'est même je vais vous aller plus loin c'est même la demande de Boudequet Ketura qui, qui demande de que ce une sur les pages même le président du CSA même le président de la CSPA la demande de nous, c'est l'ouverture du capital

donc c'est que c'est concernant sur la Guinée je vais plus mettre à sur la Guinée mettre des informations qui nous redonne toujours mettre une information vérifiée et de Guinée et de N'fikaraynor sinon sinon ça ne me concerne pas ou n'avoir le côté technique qui nous intéressera encore plus à la Guinée euh, donc la GSK est le match de avec une, une une équipe une, une équipe de Biskra nous avons une tactique qui, qui est plutôt, qui est plutôt euh, logique dans parce que la GSK s'est dessinée en plus en, en, en 4-4-2 avec, avec euh, une défense un peu fragilisée mais on va ça après parce que la défense elle a été encore plus fragilisée après. Mais nous avons voilà, le retour même des joueurs comme Mouaké et comme Alili Ardfir, euh, en matière de défense. Mais ce qui nous intéresse, c'est que nous avons Alili, de la stratégie, c'est un joueur qui peut s'intercaler de pour permettre à Mouapé d'occuper la zone d'avant-centre. Et nous avons Alili, nous avons Serzet, Mouapé, et le but légalisation de la JSK. Nous avons, dès le début, nous avons la sortie de Mbizayé d'Andai Ixmetgumkonis Nichette. Et dès la première mi-temps, la JSK a été... Euh,

Sous le phare la GSK a de, de bons débuts de match quand même. Sans que si elle a les débuts de match juste généralement la gs4 que si. les fins de première mi-temps, sans que si Je, généralement la deuxième mi-temps sera là l'équipe. Donc Morgane et belles que la gs4 elle va souffrir dès le début mais elle va encaisser. Maintenant encaisser, si encaisser en deuxième mi-temps, encaisser si en première mi-temps, dès si l'entame du match, dès l'entame du match, encaisser si un but e ene ene la Jasca adfa et des légalisation euh, des légalisation sur sur, 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 sur sur le but de mouaqi qui, qui n'est pas une action de jeu mais mais une bala à, à, arrêté donc euh, mouaqi diara la Jasca le match dès le début et le match Zenaq bloqué c'est-à-dire que c'est l'équipe qui est marquée, donc qui pousse la Giasquette fort, la Giasquette égalise, c'est une neutralité parfaite, donc c'est un match fermé, il me l'a dit, et puis la GSK c'est Lili qui mêle avec la stratégie d'un 4-5-1 défensif, la sortie de Benzeid, c'est la rentrée de Nichette qui n'a pas été utilisée des attaques, elle a été utilisée dans les latérans de la GSK que ce soit Gtelna Ben même dans tous les matchs, c'est des joueurs qui sont utilisés des, des aspects défensifs. C'est pas la faute, inesse, mais c'est la faute d'une stratégie qui est ultra défensive. Et Veiga, elle va payer le prince à la GS4 en deuxième temps, parce qu'en deuxième étant, Nourdja la GSK proposait encore plus de choses, parce que la première étant 1 à 1, c'est. On aurait pu faire quelque chose de mieux. Premier temps. Donc, né son deuxième temps, Zidane ouit une équipe à laver belle qui a fait une transition rapide, les les contre attaques Mais à un certain moment, il faut oser, il faut sortir. Et la dans les changements de Mohamed c'est des changements que qui sont qui sont surprenants. Un Daysofabouhkek et dans 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 les changements, il est Daysofabouhkek. Il se remet Bouali.

une armée, qui est c'est qu'avec Alili, Mouaki, euh, Gnina, Boualia, même Ben Saha, nous avons même beaucoup La deuxième mi on n'a pas vu la JSK attaquer, la Gerska défendre, 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 défendre. Il euh, n'y a pas eu d'occasion deuxième mi-temps. Euh, elle a eu la possession. Mais c'est une possession stérile parce que le scrave n'a pas eu la vie de la longue balle. Donc, malgré la porte, la rentrée de Boalia, Ça n'a rien amené d'un aspect offensif. Et d'ailleurs, on va demander quelque chose. Et d'ailleurs, le hadith critique qui est tout le temps, c'est a pas de Parce que. Les joueurs mettent dans, dans une cité 4 à 5 joueurs à vocation offensive. L'entraînement, c'est des élites. Lensin, c'est des joueurs de. de, 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 de. Les 18, c'est des joueurs. Les bois, C'est des buteurs. Et à la fin, où Zmerba se dépasser tel Il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'impact. Les joueurs, il faut faire l'envie. Il faut aller encore plus loin. Il y a 4 férots. défendre, défendre. Il y a

Zaïma dit suffoche où l'équipe une c'est un ex-bohème. Ça n'a pas, n'a pas mené à rien du tout les joueurs très de défendre parce que les joueurs tu vois sont dans le stade, ils sont pas agiles, ils maoulent ils peuvent encaisser donc c'est quand même c'est quand même quelque chose de surprenant. Par le biais de nos raides, l'unes qui est un bon, c'est un mauvais résultat. Personnellement, c'est un bon résultat. Mais Lucan, Lucan, Lucan intervient parado Muludia puisque le match de Muludia contre le parado il fait.

qu'on va prendre... Euh, c'est logique, on, on va prendre le score à Guinée. Prochain match contre Parado Il faut battre Parado mais chaque fois, au moins, d'être à Paradeau, moi, la 14e place. Euh, Parado et Nguyenich Wallah à ils ont les mêmes défauts que la GSK. Donc, c'est une équipe qui a beaucoup de talent. Euh, c'est de, 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 une équipe qui sait jouer au foot. Mais c'est une équipe qui physiquement, si tu à partir de la 60e minute, une deuxième minute, temps tu mets complètement à Guinée. Donc, il y a deux équipes en deuxième minute, ils se mette, nous disons, le de Mais voilà, c'est un score qui est, qui, qui, est, qui est tout à fait logique, 1 1. n'a rien pu faire en deuxième et Et puisque là, euh, elle, a, elle a été dans le, le, ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire trois ballons, mais ça n'a pas mené, ça n'a pas réussi. Euh, et c'est tout à fait logique, d'état de forme des deux équipes, la neutralité, il y a beaucoup de matchs nuls, match euh, y a ramenez nul contre l'Usma, Kenshilaik se rencontre à 5 à 1, euh, 2 à 1, donc c'est qui prend la première place, et le nul est Chile contre le Biov, et le nul est Mouloudia contre le Parado. Donc euh, voilà, c'est uniquement Bichandibrife le match de Noorelef, le match nul est Guinée. Il y a beaucoup de choses qui attendent la Jiaska. Nous allons le deuxième étant vers la rentrée de Walt Nous allons la rentrée. Mais euh, avec Walt Hamou, Monsore, Boalia, Mouaké, Alili, Gnina et tout, beaucoup de choses. La Jiaska t'attaque hier. C'est un problème d'envie, c'est un problème de, 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 de confiance. Parce que les joueurs, tu vois, là, ils sont incapables d'attaquer la zone Ninevon, d'attaquer les 18 Ninevon. Donc, ça c'est un problème qu'on qu qu va mettre à l'air en au mental, au physique et tout. C'est un autre problème qu'on qu doit régler le plus vite possible. Voilà. Euh, après, je sais des pommes, les staff des Voilà. Et c'est un qui est toujours. Voilà. Veganisme, le top, le flop. Il n'y a pas vraiment de top ni de flop tellement c'est un match qui est équilibré euh, c'est un match qui euh, bon Mouaké il marquait une nouvelle fois et c'est quelque chose de de, de, de bien ça ça fait longtemps que le joueur égyptien dans le doute apparaît la GSK, le seul l'un des points positifs mais je dernier c'est qu'on a défendu on n'a pas perdu de but on regardé en deuxième temps c'était euh, la mode parce que quand a regarde en deuxième temps quand a regarde quand Arshilov regarde quand contre Santéna, on n'a rien pu faire. Contre Lussama Kiev, qui est en Ralakh. Donc, pour la première fois, on a top de... donc l'équipe en général, ils ont bien défendu. C'est le même match, Ilindé. Alors, Ilindé, on n'a pas enquêté de but. Ilindé, de Nukulik Malkan, on n'a pas enquêté de but. Et c'est pas la même chose. Ilindé, la GSK, elle a défendu Et il y avait un grand match aussi de Salhelindé avec deux pénalités arrêtées.